Bonsoir YouTube, vous êtes en train de rater quelque chose d'exceptionnel ce soir. Je fête le partenariat avec Instant Gaming et je fais gagner des jeux. Et tac, fallait être là. Alors, on va commencer. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 août 2018. Nous sommes le 243e jour de l'année. Il en reste encore 122 avant de passer en 2019. Et nous fêtons ce soir les Astrid ainsi que les Rosen. Bonne fête à vous et bienvenue sur Stimuland Live. Alors, comment tu participes pour Lego Harry Potter? Bah justement, je vais lancer, vu que c'est le premier jeu à gagner ce soir, il sera gagné dans 7 minutes. Je vais lancer immédiatement un tirage au sort. Alors non, pas, je ne vais pas tirer quelqu'un, vu qu'il n'y a pas eu de tirage. Nouveau tirage, hop, vous pouvez participer en tapant la commande point d'exclamation moi. Il faut avoir follow la chaîne avant, bien sûr. Et un de vous sera tiré au sort dans un peu plus de 5 minutes pour essayer de gagner. Non, il n'y a pas de mort. Ah, ça a dû lancer le... Ah oui, pardon, excusez-moi. Eh oui, il y a des trucs, la dernière fois que je l'ai activé, j'ai oublié d'empêcher qu'ils se remettent en route la prochaine fois. C'est les aléas du direct, comme on dit. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés pour le jeu Lego Harry Potter. Donc c'est un jeu qui est humoristique. Apparemment, les jeux Lego sont pleins d'humour. Et donc qui vous permet de revivre la magie de l'histoire des 4 premiers livres de Harry Potter, avec le style Lego en plus. Explorez l'école des sorciers de Poudlard, apprenez à jeter des sorts, à préparer des potions et revivez l'aventure comme jamais auparavant avec un humour mordant et des options de personnalisation propres aux jeux Lego. Voilà, voilà. Et du coup, le partenariat, ça marche comment? Grâce à ce lien, alors IG... Si vous le voulez pendant la soirée, c'est point d'exclamation IG. Vous avez un lien, voilà, qui se termine par Sland, qui vous enverra directement sur le site Instant Gaming. Et si vous achetez un jeu, eh ben, je vais toucher 3% de ce que vous aurez payé pour acheter ce jeu. Et cet argent va rester sur le compte Instant Gaming jusqu'à obtenir un montant de 100€. Et alors là, j'en fais ce que je veux. Ou alors jusqu'à ce que j'achète d'autres jeux. Le but en fait étant d'acheter des jeux à faire gagner pendant les lives, à savoir bah, par exemple des lives au mois d'octobre pour Halloween, en décembre pour Noël et pour le nouvel an éventuellement. Voilà, des jeux qui seront faits gagner grâce à l'argent que vous aurez introduit dans la cagnotte en achetant vos œufs, en achetant vos jeux depuis ce lien. Voilà, cet argent n'est absolument pas pour moi, elle est uniquement destiné à acheter des jeux pour vous les faire gagner, sans que moi j'ai à payer en fait. Voilà, de ma poche. Parce que là, les jeux qui sont donnés ce soir, je les ai payés de ma poche, alors pas cher, moins cher que Jurassic World. Et au final, je vais pouvoir en donner 10 et ça m'aura coûté moins cher qu'un seul jeu. Donc il y a 5 jeux ce soir et 5 jeux lors du live d'affiliation qui aura lieu une fois que nous serons affiliés, bien entendu. Voilà comment ça marche. Et éventuellement, si l'un d'entre vous fait du stream et qui veut un partenariat avec Instant Gaming, vous allez juste sur le site Instant Gaming, vous cliquez sur support, partenariat, vous rentrez le nom de la chaîne Twitch. Alors il faut que ce soit une chaîne qui fasse 100% des jeux de gaming PC. Voilà, ceux qui jouent sur console, etc. Je sais pas si ça marche. C'est marqué qu'il faut que ce soit une chaîne 100% PC. Voilà, jeux de PC. Enfin bref. Et voilà, donc si quelqu'un fait ça, je peux le parrainer et en fait je toucherai 1% de tout ce qu'il aura, de tout ce que lui touchera. Voilà, c'est un espèce de truc comme ça. Moi je m'en fous, le but du jeu c'est voilà, de vous faire avoir des jeux à pas trop cher et puis de permettre de pouvoir vous faire gagner d'autres jeux. Voilà, voilà. Donc le tirage au sort, et ben on va lancer la partie pour les 3 minutes à venir. Enfin, je suis à 25 ici. Ouais, c'est ma pendule là qui avance. Donc on est à 25, on va faire gagner dans 5 minutes du coup.
Voilà, donc pour ceux qui étaient là cet après-midi, apparemment ça, on s'est bien amusé quand même. J'ai joué à Elite Dangerous. Je ne savais pas si je le ferais en live et en fait bah, j'ai joué cet après-midi et vu que j'étais un petit peu au calme, qu'il n'y avait pas trop de bruit à la maison, je me suis dit bah tiens je vais lancer en live. Grâce à Pup-Up hier en fait qui m'a dit bah tiens t'as qu'à le faire en live hein, si tu joues à ça. Et bah je l'ai fait. Et du coup, on a eu le passage du commandant Zolta qui joue aussi à Elite Dangerous, alors de manière beaucoup plus professionnelle, mais tout aussi drôle. On se marre toujours sur ce jeu, puisque c'est un état d'esprit fun, on rigole beaucoup entre nous. Et franchement, ouais, on a bien rigolé cet après-midi, surtout quand j'ai fait exploser mon vaisseau, ça a fait rire tout le monde, forcément. Je me suis fait démolir en faisant une mission. Et en fait, je me suis trompé de bouton. Plutôt que d'activer le bouton qui allait me permettre d'utiliser un scanner, j'ai activé le bouton qui retire mes boucliers. Donc du coup, je me suis fait tirer dessus et je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content. Ça commence bien. Ah ouais, alors on a des mangeoires à réapprovisionner, c'est pas le tout de faire le con. Je suis sûr qu'on avait un truc à faire la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait à faire? Où était la caméra quand je suis arrivé sur l'île? Clôture endommagée. Ah, attention. Dinosaure en liberté, Lordiane, merci. Allez, on va faire mumuse avec les dinosaures. Équipe de garde, vous allez me réparer ça s'il vous plaît. Et vous allez filer à manger. À ces petites bébêtes. Hélicoptère de Lucé, je vous prie. Merci d'endormir ces deux personnes. Et nous, on va déclencher l'alarme, bien sûr. Alors, comment vous faites-vous quand vous n'êtes pas content? Je sens qu'il y en a qui vont se prendre des coups de queue sans mauvais jeu de mots. Alors le problème c'est que là ils sont en train de paniquer. Donc ils risquent d'être agressifs avec les gens. Ah ouais. Couchez les gens. Couchez les petits. Vous faites pas mal aux visiteurs s'il vous plaît. Alors ils se sont échappés parce qu'ils n'avaient plus à manger. Voilà, bah, ça m'apprendra à pas faire attention. On en a un, c'est bon, il va mieux. Donc on va le transférer. Il est 29. Pensez à faire point d'exclamation moi dans le chat pour participer au tirage au sort et tenter de gagner le jeu Lego Harry Potter. Demande de récupération bien reçue. Voilà. Et on va libérer les gens après le tirage au sort, du coup, parce qu'il faut transférer. Alors, que je vérifie, vous êtes 3 à avoir participé. Il y a Josh, il y a Kikinet Jolie et il y a Svet. Ah, on avait des trucs mûches comme ça à faire gagner. Ok. Ah oui, on avait zappé ce détail. Il y avait un... Ah oui, voilà. Il y avait un herbivore dans la cage des carnivores. Ok, bah il est 30. On va mettre le jeu en pause. Voilà. Et on va faire gagner. Plus que quelques secondes si vous êtes intéressé par le jeu Lego Harry Potter. Point d'exclamation, moi dans le chat. Encore quelques secondes avant le tirage au sort. Rip l'herbivore, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, attention, clac clac. Lordiane, dis-moi quand je vais faire Drawclear. Si je fais Drawclear, ça enlève pas la liste des winners. Drawclear, Draw, je sais même pas si on dit Draw, 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 Draw. Ah, je suis un tricheur. Tu le veux pas, Nico? Allez, Draw Pick.
Si ça l'efface, ok. Alors, Svet, tu gagnes ce soir la clé du jeu Lego Harry Potter. Félicitations, GG à toi. Alors, je vais t'écrire un message privé. Et je ne sais pas si je peux le faire d'ici. Non, je ne peux pas le faire d'ici, donc il faut que je me connecte sur ma page Twitch. Alors, tac, Twitch. Alors, hop. Chuchoter. Et du coup, mon fichier Word est ici. Lego Harry Potter. Alors, c'est un code. C'est pas une clé de jeu, c'est un code à rentrer sur Instant Gaming. Alors, pour y a certains en fait. Hein, pour Costume Quest, c'est pareil. Pour Action Hank, c'est pareil. Les autres, ce sont les clés de jeu activées directement sur Steam. Là, c'est un code que je vais te donner. Que tu rentres sur le lien Instant Gaming. Et d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai dû enregistrer ça quelque part. J'ai directement la carte cadeau. C'est des cartes cadeaux en fait. Partenariat, voilà. C'est pas ça. Dans quoi je l'ai mis? Je sais que je les ai fait gagner. Je sais que je les ai quelque part. Action 1, d'accord. Il est là. Le voici. Je ne sais pas si je peux te l'envoyer là. Alors, clac, copier. On va y arriver, vous inquiétez pas. Oui, il y a Discord. Oui, effectivement. Hop. Vous étiez là. Tu peux écrire dans le chat, s'il te plaît, que je puisse te trouver assez rapidement. Enfin, t'es là, du moins. Hop, chuchoter. Hop, et CTRL V. Tac. Alors, tu cliques sur le lien et tu me dis si tu as ton code. Normalement, tu as un PDF qui va s'ouvrir avec un code et un truc qui va te permettre de pouvoir. Le lien n'est pas clippable. Et bien, tu fais sélection, copier-coller. Ça rentrer dans un navigateur, ça va t'afficher. Sinon, je t'envoie juste le code hein, et puis je t'explique comment on peut faire. Alors, effacer la liste. Voilà, ça garde le winner. Et vous pouvez relancer immédiatement. Je relance un nouveau tirage au sort pour le jeu. Du coup, je vous remets la liste. Pour le jeu Human Fall Flat. Alors, ça, c'est un jeu qui est assez marrant. Fichier introuvable. Ok, bon bah écoute. Je vais t'envoyer directement ton code. Je regarde juste de quelle manière tu dois l'activer. Normalement, c'est en te connectant sur Instant Gaming. Alors, pour utiliser le code rendez-vous sur Instant Gaming et suivez l'adresse. Partager. On peut pas? Alors, eh ben, je m'en rappellerai hein, qu'il faudra pas procéder de cette manière-là. Copier, tu iras sur cette adresse
et tu rentreras. Oui, le truc encore, un truc encore plus facile que j'aurais pu faire, c'est faire une capture d'écran et te l'envoyer direct. Tac, et du coup, tu rentres ce code. Voilà. Bah, tu me diras si ça a marché, sinon bah, on trouvera ça, on trouvera un moyen plus tard. Normalement, ça devrait marcher, hein. C'est marqué rendez-vous sur Instant Gaming, suivez ce lien et quoi? Pour utiliser votre code, votre carte cadeau, rendez-vous sur Instant Gaming à l'adresse suivante. À tout de suite, cordialement. Voilà. Voilà. Donc merci de me redire plus tard si ça a marché ou pas, pour que je sois sûr que tu aies bien reçu ton jeu, bien entendu. Alors, on a Lordiane et Kikinet Jolie qui ont essayé de gagner Fall Flat. Donc je vais vous expliquer. Ah oui, c'est ça qui me cache là, voilà. Alors, Fall Flat. Bob n'est qu'un humain ordinaire, mais sans le moindre super pouvoir. Dotez-le de quelques outils et il sera capable de grandes choses. Détournez les outils pour donner à Bob encore plus de possibilités. Donc voilà, ça utilise une physique avancée et des commandes innovantes permettant d'offrir des défis très variés. Voilà, il y a des énigmes et apparemment. C'est tout. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bah, vous regardez le lien. Voilà, je vous ai mis la liste, vous regardez le lien, il y a la petite bande-annonce, c'est assez rigolo, c'est un jeu qui a l'air très drôle à jouer. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par Human Fall Flat, vous tapez point d'exclamation moi dans le chat. Livraison terminée. Et le jeu sera gagné à 22h, bien entendu. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est grâce à Instant Gaming, où vous pouvez acheter vos jeux en passant par ce lien, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la dernière île, on avait dit, hein. Ah oui, je devais faire. Oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient petit à petit. Je devais faire la mission divertissement pour pouvoir débloquer les trucs. Bon, alors on va donner à manger aux carnivores. À table! Oh là là, quelle vilaine bestiole. Si, pourquoi? Je peux le mettre dessous. Ah oui, ça gêne, d'accord. Ça gêne, ok. Alors, chat. C'est juste qu'en fait, si je bouge la fenêtre chat, ça bouge tout le truc, donc je peux la lever à la limite. Ah non, c'est chat, caméra, hop, tada! Comme ceci. Et clac. Alors, tu vas te faire manger ou pas? Mais oui, ça cache l'argent et les étoiles. Alors, on va demander à Lucé de le transférer, mais à mon avis, à la seconde même où il va dormir, les autres vont venir le bouffer. Demande enregistrée. Et on se prépare immédiatement, en fait, à le transférer. Transport. Voilà. De quoi qui est sympa? Ah bah non, je crois qu'il va se faire croquer. À mon avis, il va se faire grignoter dans quelques instants. Dès qu'il va dormir. J'ai toujours pas la musique qui fait peur. Il fallait que je mette une musique qui fait peur. Ah.
touché. On se prépare, vite. Ça me fait rire parce qu'il s'effondre d'un coup en fait. Non, casse-toi. Non. Va-t'en. Et genre, et à peine il va. Voilà. Crom, crom. Pourquoi s'embêter avec les détails? Il faut savoir prendre du recul. Ce contrat est très intéressant. Pauvre petite bête. On s'est trompé. On s'est trompé. Et donc, le truc, c'était encore un échec. L'autre carnivore. Ah, cool! Félicitations, amuse-toi bien. Et puis pense à me dire si c'était cool, parce que franchement c'est peut-être un jeu que j'achèterais pour faire un, pour faire en live éventuellement un jour. Ça pourrait être sympa. Si c'est, si c'est aussi drôle que ça en a l'air, je pense que je pourrais peut-être le. Cool. D'accord, bon bah c'est bien. Alors, utiliser le centre des expéditions pour exhumer un fossile de carnivore. Ça, ça devrait pas être trop dur. On va le faire dès maintenant, histoire de pas oublier. Comprendre. Cette expédition a du bon, croyez-moi. Carnivore, pour être sûr, bah voilà. Vélociraptor, ding. Comme ça, au moins, c'est sûr et certain, c'est du carnivore. Bon, bah, il s'est fait croquer, hein. Quel dommage. On est en chemin pour récupérer la cible. Alors, et nous, on devait mettre plus de petites, de petits comme ça, en fait. Voilà, pas content, ils vont se battre. Ah là là, cheat tes grandes goules, toi. Hein. Interaction. Ah oui, effectivement, t'as pas de copain, toi. Comment ça se fait? Oh, ils sont chiants à faire, ceux-là, en fait. 81%. Ah oui, on est qu'à 28%. Ah si. Comment c'est... Pardon, je viens de manger, j'essaye de pas faire ça bruyamment, mais toutes mes excuses. Ah, faudrait que je mange beaucoup plus tôt en fait quand je suis en live. Ou que je mange pas. Que je mange après. Au revoir géant qui bouffe des arbres. Chissé n'est pas là, dis donc. C'est bizarre. Hello, oui, on va peut-être faire sortir les, les visiteurs. Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour. Ah, c'est la journée des conneries aujourd'hui. Par les anomalies récentes. Sinon, mange en live, mais ouais, ça pourrait se faire aussi. Hein. Alors, ça c'est bon, tout le monde sort, c'est bien, ok. Oui, non, lâche-moi. Alors, il va nous falloir des bébêtes, centre des fossiles. Quoi, il y a des dinosaures? Vous avez fait du bon boulot avec cette expédition. Espérons que ce que vous avez rapporté ne nous pourrisse pas l'existence. Ouais, il va être temps que je change de jeu, en fait, je fais n'importe quoi. Voilà, merci, au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi c'est marqué qu'il y a deux en liberté? Ils ont répété la clôture. Charal. Aucun problème. Eh, vous me saoulez là, ouais. Ajoutez une tâche, répare-moi cette clôture. Bon, bah, on va les revendre. Hein. Qui c'est qu'avait, personne n'avait, hein, ces grosses bêtes là? Ankylosaure. Ankylosaure. Ah ouais, il devait y avoir trop peu. Allez, paniquez, chers amis. Tremblez de froid, tremblez de joie. Elle arrive, elle est là. Tremblez de froid, tremblez de joie. Car voici. Car voici. Vous connaissez la suite? Non, pas les ankylosaures. Chissé, il a un géant qui bouffe des arbres. Il a Chico 2.0 qui est là. Un vilain truc bien moche.
qui là. Alors, vous connaissez pas la référence que je viens de faire. Mais oui, c'est ça, je voulais télécharger justement ce truc-là. Trembler des joies, trembler des froids. Elle approche, elle est là. Mais oui, elle va être évacuée la cible. La chèvre. La chèvre est morte. Paix à son âme. Tiens, en parlant de mort, on va désactiver ce truc. Voilà. Mais sauf qu'il faut que je le fasse là-dessus, parce que sinon ça disparaît pas. Ah si, ça marche. Ça marche pas pour le micro et le... Merci bien, madame. Alors, pas d'alerte en cours. Le problème, c'est que, voilà, on n'a pas les... On n'a pas débloqué cette mission. Je sais pas comment je la débloque, cette mission. On va redemander des contrats divertissement jusqu'à... Voilà une bonne occasion de faire vos preuves. Je sais même pas si on peut. Ah oui, il y a le Galliminus aussi, doté de la modification quoi. Le Galliminus doté de la digestion efficace. Oh ! Bah meurs. Reste fort. Ouh. Vas-y, va embêter le grand méchant, hein. Et nous, on va en faire un autre. Ils meurent trop vite, ces trucs-là. Il faudrait qu'on augmente le génome. Votre Deinonychus. Réputation vous vaut le respect de tous les membres. C'est de que ça coûte cher, ces bestioles-là, en plus. Moi y compris. On aurait peut-être pu lancer des paris, ça vous aurait occupé un petit peu. Alors, on a un sacré paquet de monde là. Effectivement, si un, si par malheur un carnivore venait à s'échapper, n'est-ce pas? Cela pourrait être désastreux. Coucou. Venez mes petits. Non? Vous avez pas envie de manger de la bonne viande fraîche? Tant pis pour vous. Allez, on a l'hôtel juste à côté, ils auraient de quoi manger, hein, pourtant. Ok. Ah, ça m'embête de devoir faire ces missions. Ah bah voilà, on est à plus de 6200 pardon. Les dinos trop sages. Je peux péter la barrière direct. Hein. Bon, allez, on va rajouter un. Faudrait qu'il y ait de l'ambiance. On va rajouter des dinosaures, mais il faut pas qu'ils meurent aussi avant d'être fini de créer. C'est ça qui m'embête. Le problème, c'est si je fais des T-Rex, ils vont se battre entre eux, ils vont pas s'échapper. Faut que je fasse en sorte qu'ils soient pas à l'aise dans l'enclos. Pour qu'ils s'échappent. Et il y a une mission comme ça, hein, où faut justement faire en sorte que leur confort soit bas pendant un certain moment, de manière à ce qu'ils s'échappent. Et après, les remettre dans l'enclos, mais améliorer de manière à ce qu'ils soient bien. Et là, ça rapporte 1,5 million et blablabla... Voilà, sauf que j'avais échoué à cette mission. Et c'est cette mission qu'on attend en fait, c'est celle-là qui va nous débloquer les sphères truc-muche là. Risque de sabotage élevé, donc attention.
Cette petite peste est susceptible de nous saboter la partie. Réduire la taille de l'enclos, c'est tout à fait possible. Exemple parfait du travail parfait. Merci mon petit, t'es bien aimable. On va reprendre quoi ? Ah ! Comme ça. Clac. Demander un contrat. Oui, si je clique pas sur demander un contrat, ça va. Nous avons pas. Reçu une proposition que vous devriez vraiment étudier. Alors, protection contre les coupures de courant 2.0. Les dinosaures sont des êtres vivants. Voilà, ça c'est fait. À leur image, notre infrastructure est un écosystème qu'il nous faut développer. Non, c'est pas fait ? Ah. 2.0, bah oui, je dois être à 3.0 moi déjà. On va réduire, t'inquiète Lordiane, je vais faire en sorte que ça vire au drame comme dans les films. Quoi, j'ai... Ah oui, il y en a qu'une qui est pas équipée. Deux. 2.0, on nous a demandé. 3.0, hop. Vous avez mené à bien ce contrat avec brio. Mais, qu'est-ce que tu prends ? Ça me fait rire parce que c'est elle qui est susceptible de saboter et elle me dit j'ai l'intention de vous saboter. Alors mettez des protections contre les coupures de courant. Non, ils peuvent saboter autrement hein, en rendant un dinosaure malade ou voilà. La dernière fois, on a eu un dinosaure malade en guise de sabotage. Alors oui, on va réduire l'enclos, il y a. Ah, ça tape. Qui tape ? Ah ouais, ça tape. Qui c'est qui est pas content ? Un Deinonychus ! Oh ! Coucou les copains, je vais sortir. Me voilà. Tu veux du scandale, Lordiane ? Voilà. Le petit copain. Coucou, c'est moi. Je vais vous manger. Non. Elle a vachement peur. Elle a juste fait. Voilà, au secours, au scandale. Il n'y a pas de sang. Bon, ça va. C'est pas un Peggy 18. Alors, qui sort? Toi aussi? Allez, le petit T-Rex. T'es bien sage, toi, pour un T-Rex, franchement. Regarde cette viande fraîche. Ah, il a vu. Tiens, il a senti. Même pas, il va attaquer l'autre, franchement. Il attaque les dinosaures. On donne l'opportunité d'aller manger des humains. Non ? Non, mais il est sage, hein ? Dis donc. Va manger des humains ou je te pique. Tu fais ce que je te dis, oui. T'as de belles dents, tu sais. Mais oui, voilà, il y a trop de mangeoires, il a trop à manger. T'es pitoyable, franchement. Faut ouvrir la porte, monsieur, il veut passer par la porte, je suis sûr que c'est ça. Il est toujours bon d'augmenter ses stocks de ressources. Et nous en avons justement l'occasion. Non, je sais même pas sur quoi, je sais même pas ce que j'ai accepté. Ah bah c'est parce que j'ai réussi une mission, d'accord. D'accord. Attention, sabotage en cours. Sabotage en cours, et bah voilà, on va finir. Bah, tiens. Sabotage. La porte va rester ouverte, c'est ça? On peut plus la fermer? Ah bah oui, c'est ça, on peut plus fermer la porte. Voilà. Comment ils profitent du système? Ils ont saboté la porte pour que le T-Rex s'enfuit. D'accord, alors on va voir comment il fait pour se nourrir, le petit, là. Tu voudrais pas qu'il te bouffe? Oui, j'avais cru voir, je voudrais qu'il me bouffe, lui. Ah non! Ah, sabotage, d'accord, j'avais pas compris. Ils ont ouvert les portes de tous les enclos. Donc bah lui il s'en va bouffer les herbivores. Non, bah non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool ça du coup. Je peux plus fermer les portes. Oh mon dieu.
Ajouter une tâche. Entendu. Vite, viens me réparer ça là. J'ajoute ça à la liste. Oh merde, mais oui, c'est tous les enclos. Ah oui, non, c'est pas cool là. Oh, eh ben, on voulait voir des grosses bêtes manger, bah voilà. Ah non, mais en fait, les T-Rex vont bouffer les... N'importe quoi. Je sais plus où sont les gardes. Si, là. Toi. Sabotage. Contrecarré. Contrecarré, tu te fous de moi? Ah oui, d'accord, les portes se referment. Et notre... Voilà, forcément. Il est dans la nature. Super. Enfin, tu voulais du carnage, on va pas sauvegarder. Hein. Je vous assure qu'on va pas sauvegarder. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Il n'y a plus aucune mangeoire qui est... Bon allez, hein, tu sais quoi? Instruciomimus. Tout le monde dehors. Libérons ces animaux. Voilà. Ils n'ont rien à faire en cage. Voilà. Et je ne déclenche pas l'alarme, bien évidemment. C'est beaucoup plus drôle comme ça. Hop. Libre à vous. Vous voulez manger des carnivores, des herbivores, tout ce que vous voulez. Voilà. J'ouvre tous les enclos. Et carnage intégral. Je voudrais voir si, justement, on fait faillite. À cause de ça. Est-ce que tout le monde va se faire bouffer ou est-ce que les visiteurs continuent d'affluer, hein? Voilà. Les gens veulent du sang, il y a du sang, il n'y a pas de souci. Vous allez tous mourir. Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner Human Fall Flat dans le chat. En tapant la commande point d'exclamation moi. Alors du coup là ce sera une clé Steam. Donc, activer les clés Steam. Copier. Ah, ça veut pas. Ah si, ça veut. Du coup, je l'ai en double. Voilà. Celui qui va gagner aura ça. Voir le combat ou... Bon, pff, allez-y. Entretuez-vous pendant qu'on fait le tirage au sort. Il vous reste une minute pour faire point d'exclamation moi dans le chat afin de gagner Human Fall Flat. Je vous rappelle... que vous pouvez voir la bande-annonce en cliquant sur le lien dans le chat. Et voilà, il est 22h, donc je vais tirer au sort parmi deux personnes, Lordiane et Kikinette Jolie, qui aura l'honneur et le privilège de pouvoir jouer avec ce petit bonhomme tout mou en fait. C'est quoi, c'est Squeezie que j'avais vu jouer à ça? Je sais plus. Squeezie, c'est Goat Simulator que j'ai vu. Ça c'est sûr. Alors, clac clac, tirage, attention, roulement de tambour, 3, 2, 1. Et le gagnant est Kikinette Jolie. GG Kikinette. Tu remportes une clé de jeu à activer sur Steam. Tu n'as pas Steam, bien évidemment. Forcément. Donc je vais noter, en fait c'est moi qui vais noter que tu as gagné la clé. Je vais te l'envoyer et tu la notes à la maison chez toi. Je te l'envoie quand même en message privé. Alors, Kikinette Jolie, chuchoté. Voilà. Alors, tac. On remonte là-haut. On fait ça
copier. C'est pas comme ça. C'est comme ça. On revient dans le chat et on fait coller. Kikinette Jolie, est-ce que tu peux me dire si tu as reçu ta clé dans le chat? Alors, tu la recopies sans la parenthèse qu'il y a après le B. Tu recopies ça sur un bout de papier et je viendrai te l'installer, bien entendu. Et encore, félicitations. Voilà, donc nous allons passer sur un nouveau tirage au sort. Alors, nouveau tirage. Vous tapez point d'exclamation moi dans le chat pour pouvoir gagner le jeu Custom Quest. Si le jeu Custom Quest vous intéresse, n'hésitez pas, vous remontez un peu dans le chat, vous avez le lien vers la page Instant Gaming qui vous permet de voir la bande-annonce pour ce jeu. N'hésitez pas à faire la commande point d'exclamation moi. Voilà, donc les petites explications sur ce jeu, bien entendu. Custom Quest, alors c'est un jeu d'aventure d'Halloween. Alors, c'est un jeu où vous allez avoir une quête sur une aventure d'Halloween. Dans ce jeu de rôle charmant, votre héros, choisissez votre héros, promenez-le malicieusement à travers trois magnifiques environnements dotés d'une histoire et d'un humour au second degré. Complétez des quêtes et construisez votre histoire en collectionnant des costumes qui vous permettront d'incarner de preux chevaliers pour combattre les répugiens. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref, ça a l'air bien marrant. Donc si vous êtes intéressé par le jeu Custom Quest, n'hésitez pas. Non, mais Kikinette Jolie, c'est ma maman, et elle comprend pas trop comment ça marche, en fait. Donc elle se retrouve avec une clé, mais elle va pas savoir quoi en faire. Donc j'irai lui installer sur son PC. Voilà, vous pouvez la huer, il n'y a pas de souci. Elle adore ça. Bon, on laisse tout le monde mourir et on change d'île, c'est ça le but, Lordiane. Voilà, on a un beau carnage quand même. Alors, je vous informe ici que nous avons 5 mangeoires à approvisionner. Nous avons un bâtiment détruit, 2 dinosaures en liberté et 5 morts. C'est quoi que tu notes pas la parenthèse dans le message que je t'ai envoyé? Moi, en fait, la clé, je l'ai entrée entre parenthèses sur mon document. Je t'ai envoyé la parenthèse qui est avec. Donc, tu as une clé avec des numéros. Tu notes les numéros, sauf la parenthèse qui est à la fin. Voilà. Tu notes les lettres et les chiffres. Tu sais, comme quand on met le code Wi-Fi, il y a des lettres et des chiffres. Voilà. Donc, tu notes ça sur un bout de papier. Les trois séries de caractères alphanumériques. Pourquoi c'est toi qui gagne? Pourquoi c'est toi qui gagne? Alors, du coup, personne n'a l'air intéressé par Custom Quest. Ça n'intéresse personne. On peut mettre un autre jeu, hein, à la limite, en jeu. Si vous n'êtes pas intéressé par celui-là, il y a Action Hank, éventuellement. Voir le combat, ouais. Maladie contractée, allez, bah, tant qu'à faire. Hein ? Mmh. Obtenez des bénéfices avec les ventes des expéditions. Pff. Ouais, bah, on va faire ça. Pendant que notre parc dépérit, on va faire des expéditions. Tac, tac. Non, tu peux pas, non, bah non, faut pas exagérer non plus. Tu peux pas gagner tous les jeux, Kikinette. T'as gagné une fois, maintenant c'est fini, tu oublies. Attends, va pas me dire qu'il t'a remis dans le... Je vérifie, non, c'est bon, tu peux pas. Y a personne sur la liste pour gagner Custom Quest.
Alors, lors du prochain live, en fait, il y aura des jeux. Alors, je pense que j'en ai trouvé un. J'ai essayé de trouver des jeux qui pourraient vous plaire aussi, hein. Je commence à vous connaître un petit peu, chacun d'entre vous. Et je pense qu'il y en a un qui pourrait plaire à... J'espère que je l'ai pris. Non, bah c'est Custom Quest, si personne le veut, pour l'instant, bah, personne ne participe au tirage au sort. Et on attendra 22h30 pour faire autre chose. Enfin, pour faire l'autre jeu, Action Hank. Enclos, tac. Et du coup, bah, celui-ci, s'il intéresse personne d'ici là, il se retrouvera sur le Discord de Nemelia. Ou alors, je le garderai pour le faire gagner une prochaine fois. Quand on aura plus de monde sur un autre live, je peux éventuellement changer avec un autre jeu. Si à la fin du tu participes à tout, si à la fin du live il y a des jeux qui n'ont pas été intéressants, je pourrais éventuellement inverser avec des jeux du prochain live. Voir les fossiles. Papapala, papala, papapala, papala. C'est une catastrophe. Je vous épargne en fait les trucs qu'on a là. C'est une véritable catastrophe cette île. C'est un carnage. Véritable carnage. Vous êtes ici. Ouais, effectivement, je suis ici. Pour combien de temps? Non, mais c'est pas cool, c'est pas comme ça que je vais avoir ma mission. N'empêche que voilà, les ventes, ça marche. Il faut que je reparte en expédition. Du coup. Paula Cantus. Ah oui, c'est lequel que je devais avoir. Je sais même plus. Et bon, on va faire au pif. Faut que t'ailles faire ta cuisine. Eh ben, va faire ta cuisine. Alors. Non mais sérieux, en fait, je peux plus rien faire ici, à part dépenser de l'argent. Je continue à générer de l'argent, c'est excellent quand même. On a un bénéfice de 125 000 par minute, alors que c'est un véritable carnage là-dedans. Alors, on va au moins dégager tous les dinosaures morts. R. Non, c'était. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres décès? On l'aura bientôt récupéré. Ah bah, Chico, non. Non. Il Vous tient avez bon. Showbiz dans le sang, ma parole. Vous m'avez volé la vedette. Tu crois? Dans le sang, ouais, c'est sûr. Combien de visiteurs dans le... Mais je ne sais pas, en fait. Je sais pas si je peux le... J'ai l'argent. J'arrive pas à savoir, en fait, combien j'ai de visiteurs... Je sais pas comment je peux voir ça. Gestion. Ah. Ah d'accord, c'est là. Satisfaction. Il y en a pas. Ah bon. C'est bizarre quand même. Abri. Donc on a des abris, ça c'est sûr. Tempête. Ah. Commerce, divertissement, transport, bilan. Non, bah non, c'est même pas affiché, c'est débile.
réputation, mission. Terminer la mission, exploitation. Dangereuse sur Isla Muerta, bah voilà, c'est pour ça que j'y arrive pas. Non, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça, moi. Je veux pas retourner sur Isla Muerta parce que Lordian, il va vouloir que je fasse libérer les dinosaures. Et tout le monde va mourir dans d'atroces souffrances. Oh non, elle est chiante, Isla Muerta, en plus. Je crois en fait qu'on va essayer de se développer sur cette île-là sans... Ou alors on commence celle-là. Malheureusement, c'est pas le but en fait. Le but c'est de faire ça en une seule fois. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez pas l'air très nombreux. Dites-moi ce que vous voulez. On va sur quelle île? Est-ce qu'on refait un truc pépère? On continue Isla Matanceros et puis on essaye de faire un maximum de fric. On organise de manière. Ou alors on essaye de faire 5 étoiles là-dessus. Et au passage de débloquer la mission. Ouais, celle-là on va les laisser dans cet état-là. Comme ça la prochaine fois qu'on reviendra, si jamais je retourne sur cette île-là, je me rappellerai plus qu'on avait fait mode carnage. On va retourner là-bas. Et on va faire une pause. Voilà. On va faire 5 petites minutes de pause, le temps que j'aille chercher un truc à grignoter. Je vais manger du raisin pendant la pause. Je ne me vois plus. Où suis-je? Ah, oh, coucou. On t'entend plus, RP. Il est mort, il s'est fait bouffer. Voir les fossiles, non, on veut rien voir du tout, on veut faire une pause. Et je pense que tout le monde dort dans le chat. Donc... vous allez profiter des 5 prochaines minutes pour vous réveiller, pour aller boire un coup, pour éclater la tronche des moustiques qui vous tournent autour. Et on se retrouve juste après. Salut! Ah oui, je vais faire ça d'ici, tiens. Alors, comment ça marche? Pause.
Et me revoilà. Bonsoir à toi, Dodo Dino. Merci. Merci beaucoup. Tu deviens officiellement mon 50e copain. C'est toi, c'est grâce à toi et uniquement toi que nous passons à partir de ce soir affilié Twitch. Et je peux vous informer d'ores et déjà que le prochain live spécial affiliation du coup aura lieu le 5 septembre 2018. Alors, la petite notification. Voilà, merci. Alors, ça marque 49. Donc, quelqu'un est parti d'ici là. On reste à 49. D'accord. Bon, bah tant pis. Nous ne sommes pas affiliés. Ce sera pas pour ce soir. Ou alors, c'est pas à jour. Eh non, 49. Quelqu'un est parti entre deux. Je ne sais pas. Ok. Alors. « Salut mon petit, tu deviens mon copain et grâce à la commande point d'exclamation à compte, tu peux consulter ton compte Pépette. » Le compte Pépette est un compte d'argent virtuel disponible sur cette chaîne pour pouvoir participer aux paris. Les paris qui sont utilisés dans ce jeu afin de pouvoir décider si... parier sur la viabilité d'un dinosaure lors de sa création, etc. Et acheter des articles dans la boutique virtuelle, etc. Tu peux aussi faire des jeux tels qu'un bingo, j'ai pas fait de bingo aujourd'hui, donc je vais lancer un bingo 50, et le gagnant de ce bingo touchera 50 pépettes. C'est parti, spammez-moi ce chat, je veux les numéros de 0 à 50, le premier qui l'emporte, remporte 50 pépettes. Voilà, 0 et 50 compris, bien sûr. Voilà, pendant ce temps-là, on relance le jeu. Et Dodo Dino, si tu souhaites gagner un jeu ce soir, je fais remporter. Alors, liste, il y en a déjà deux qui ont été gagnés. Ce soir, c'est le jeu Costume Quest, donc c'est le troisième. Tu peux cliquer sur le lien pour avoir la bande-annonce chez mon partenaire Instant Gaming. Et tu peux éventuellement aussi cliquer ici. Si un jour tu veux acheter des jeux de PC, tu passes par ce lien et ça me permet de toucher une petite commission qui permet de faire gagner des jeux comme je le fais ce soir. Et félicitations à Lordiane qui gagne le bingo avec le nombre 29. GG Lordiane. Lordiane 50. Voilà. Allez, on y va. Donc du coup, si t'es intéressé par le jeu, qu'est-ce que je viens de dire, Costume Quest, tu tapes point d'exclamation moi dans le chat et tu seras sûr de gagner vu qu'il y a que toi qui participe pour l'instant. Si le jeu ne t'intéresse pas, tu ne participes pas et on attend le prochain tirage au sort qui aura lieu à 23h. Alors, il faut faire quelle mission ici, je ne sais plus. Waouh, Kikinette, décidément. Tu vas te ruiner. Alors, point d'exclamation, moi, collé. À moins que ça ait marché, normalement, tu as reçu un message privé. Attends, je vais regarder. Non, c'est point d'exclamation, moi, sans espace. Voilà. Donc si ce jeu t'intéresse, tu participes au tirage au sort, et pour l'instant, vu que tu seras le seul sur la liste, eh ben, t'es sûr de gagner. Ok, alors, tac. C'est bon, tu es sur la liste. Merci de ta participation. Merci de ton follow aussi. Alors t'es pas mon... Ah si, t'es mon 50e, ça s'était pas mis à jour. Oui! Faites péter les GG, nous sommes affiliés. Donc du coup, prenez note que le c'est un mercredi, oui.
Mercredi 5 septembre 2018, de 14h à 18h, je serai en live. Alors, est-ce que FF est toujours là? Parce que FF, il fait ses lives de 14 à 18h aussi, donc je sais pas s'il sera en live mercredi. Ce serait dommage qu'on soit en live en même temps. Mon petit FF, es-tu là? Merci Kikinette, ça fait plaisir, merci Lordiane. Vous êtes mignon. Et Lordiane a encore perdu au, au ticket. Le jeu du ticket, donc il faut savoir que ça coûte 100. Hein. Si tu veux y jouer de Dodo Dino, sache que ça coûte 100 pépettes. Et donc ça confirme que c'est bien grâce à toi que nous sommes 50. Donc je vais faire un geste. Si tu souhaites revenir sur un prochain live, il faut savoir que... merci RP Gamer qui se réveille lui aussi. c'est Ad Dodo Dino. Je sais pas si c'est comme ça. Oui, si c'est bon, c'est comme ça. Je t'offre 500 pépettes. Car c'est grâce à toi que je passe affilié sur Twitch. Et c'est grâce à toi que le prochain live va pouvoir permettre à des viewers comme toi de gagner des jeux vidéo. Donc du coup, le 5, je verrai ça avec FF. Normalement, le 5, donc du coup, j'aurais prévu de faire un live de 14h à 18h sur sur Isla Nublar. Voilà. Il est en mode bac à sable, donc en fait... on va faire création de A à Z, on va créer les enclos, machin, et on finira à 18h avec un tirage au sort, machin, pour les jeux. Donc il y aura des jeux tous les heures, toutes les heures, ce sera 14h, 15h, 16h, 17h et 18h, ça fera 5. Il y aura 5 jeux à gagner, et le cinquième jeu étant, surprise bien sûr, vous saurez ça mercredi. Voilà. Donc, on reste sur Isla Muerta, et on va essayer de faire la mission qui était... Je ne sais pas. Alors, il faut que vous sachiez que je ne suis pas là ce week-end, je travaille ce week-end, donc je ne pourrai pas discuter trop avec vous. Enfin, si, peut-être sur Discord. Et si... Si, voilà. Donc, j'aimerais aussi remercier Lordiane devant les nouveaux arrivants. Car grâce à lui, j'ai un bot qui fonctionne. Lordiane qui a créé de toutes pièces, de A à Z, de l'alpha jusqu'à l'oméga, le bot qui vous sert ce soir. J'ai intégré des nouveaux liens, d'ailleurs. Un nouveau follower, bienvenue à toi, Adnix. Merci de ta présence, bienvenue. Alors il reste encore, justement, Adnix, il te reste encore 2 minutes, enfin 3 minutes, pour tenter de gagner le jeu, le troisième jeu, Costume Quest. Donc tu cliques, tu regardes la bande-annonce, si ça t'intéresse, tu tapes point d'exclamation moi dans le chat, et ça te permet de le gagner. Ce soir je fais gagner des jeux pour fêter mon partenariat avec Instant Gaming, voilà, qui vend des jeux vidéo à pas cher. Et nous, nous allons faire quoi ici en fait? Parce que Isla Muerta, Muerta, qui c'est qui est Muerta? Il y a deux trucs à remettre alors. Oui, je parle et du coup je fais rien. Allez, on y va, c'est parti, poussez-vous! Je passe. Merci beaucoup, Kikinette Jolie. Et moi, je te dis à dans une semaine. Je te rejoins dans une semaine, il n'y a pas de souci. La mangeoire est pleine. La mangeoire est pleine, magnifique. Hop. Le niveau de nourriture est à nouveau normal. Alors, tu l'installes que si tu le gagnes. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Puisque peut-être que notre nouveau follower voudra gagner le jeu qui a pas l'air d'être là. Adnix, si tu veux gagner le jeu qui est en jeu actuellement, tu peux taper point d'exclamation moi dans le chat. Le jeu, c'est un tirage au sort, donc ça va être fait dans... Il va être fait dans 2 minutes, dans 1 minute. Pourquoi je m'en vais par là, moi? Voilà, bah si le jeu te plaît, hein, bien sûr, s'il te plaît pas, tu attends le prochain, et le prochain, c'est Action Hank. Donc voilà, point d'exclamation, moi, sans espace dans le chat, pour tenter de gagner le jeu. Alors, attends, parce que un point d'exclamation, c'est ça. Tu fais le point d'exclamation suivi de moi, M-O-I, et tu peux gagner le jeu. Alors, il est où le, elle est où l'autre? Elle est là, R. Voilà, comme ça, magnifique. Demande de réapprovisionnement enregistrée. Voilà, donc vous êtes deux, donc une chance sur deux de gagner le jeu. Je fais le tirage au sort dès maintenant, roulement de tambour, pla 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 pla. Tirage, et le gagnant est Adnix. Bah, félicitations, tu viens de remporter le jeu. Qu'est-ce que je fais gagner? Costume Quest. T'as été voir un petit peu le lien sur le lien que j'ai mis dans le chat. Alors... Ok, ok. GG, félicitations. Donc, je relance. Alors, pendant que je fais mon truc, je relance. Vous regardez justement la liste. Et je fais gagner Action Hank. Donc, vous cliquez sur la sur le lien qui vous emmène voir la bande-annonce de Action Hank. Et si vous êtes intéressé, je relance un tirage au sort. Hop, donc nouveau tirage, c'est parti. Si vous êtes intéressé par Action Hank, vous tapez point d'exclamation moi dans le chat, sauf ceux qui ont déjà gagné un jeu ce soir, bien sûr. Et du coup, notre très cher Adnix, je vais t'envoyer ta clé de jeu en message privé. Alors, j'ai une notification de la part de... De la part de Twitch. Alors, du coup, Adnix, tac. Alors, là, chuchoté. Hop, et du coup, Action Hank. Non, c'est pas Action Hank, c'est Costume Quest. Alors, Costume Quest, il faut que tu ailles sur. Ah oui, du coup, je sais plus comment ça marche. Il faut que tu cliques. Sur le lien que je t'envoie. Et ensuite, on va te demander un code. Et le code à remplir, ça va être... Alors, je t'ai pas donné le... Oh, quel con. Je t'ai pas donné le bon lien. Costume Quest. Le voilà. Alors, pour les autres, pensez à regarder la bande-annonce plutôt que de vous foutre de moi. Pour tenter de gagner Action Hank dans quelques instants. Si c'est bon, c'est la bonne adresse. Tu te rends sur l'adresse que je t'ai mis et tu rentres le code. Voilà. Copier. Coller. Et tu rentres ce code. Voilà. Tu m'envoies un message dans le chat pour me dire si tu as reçu ton code. Et bien sûr, tu me confirmes au cours de la soirée quand tu as téléchargé ton jeu. Et bien sûr, tu m'informes si ça fonctionne. Tout ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme message? Lego, ok. Alors, est-ce que l'un d'entre vous est intéressé par Action Hank? Tu as reçu le code, cool. Tu sais comment le...
Tu sais comment faire? Sinon, tu demandes à qui c'est qui a gagné tout à l'heure, qui a réussi à installer son code. Tu demandes à Svet. Est-ce que tu es encore là, Svet? Tu pourras lui expliquer éventuellement comment tu sais faire. D'accord, ok, cool. Bah, félicitations encore. Il est plus là. Ok. Alors, félicitations. Et nous, on reprend le jeu. Alors, prochain tirage au sort 23h pour le jeu Action Hank. Et c'est pas ça que je... C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est cliquer. J'ai plus mon jeu. Ah si, il est là. Ok, cool. Alors, où suis-je? Ici. On a un mort. C'est ça que je voulais regarder. Pourquoi on a un mort? Hop, c'est ici. Oh, c'est moi! C'est moi, je suis mort. Oh non, c'est mon Dracorex. Mon petit Dracorex. Oh. Alors, une minute de silence, s'il vous plaît. Et regardez-moi m'envoler. Cible en cours de récupération. Vers de nouveaux horizons. Oula, j'ai beaucoup d'herbivores. Et si tu veux, bien évidemment, que je rebaptise un herbivore avec... Ah, bah cool. Bah, si tu achètes tous tes jeux sur Instant Gaming, je te force pas, mais tu peux passer par ce lien qui permettra de me faire gagner 3% sur tout ce que tu achètes. Et qui permettra justement de racheter des petits jeux comme ceux que je suis en train de faire gagner en ce moment. Voilà. Bien évidemment, l'argent n'est pas pour moi, mais pour vous. Transport en cours. Très chers viewers, pour vous permettre de refaire des soirées avec des tirages au sort comme je fais maintenant. Voilà, donc je pense à désactiver ceci. Voilà. Et c'est vrai que j'avais préparé un truc. Je sais pas si c'est... Allez hop, je vous la montre. La petite vidéo 1550. Justement pour leur faire de la pub. Voilà, stop. Merci, au revoir. Donc le mort c'était moi, paix à mon âme. Et encore un mort, merci RP Gamer. Alors t'as pas besoin du point d'exclamation du coup. C'est juste RIP je crois. Hein. D'après ce que j'ai mis. Je ne sais plus ce que j'ai. Ouais, c'est juste RIP. En plein milieu d'une phrase, ça marche aussi. C'est en réaction en fait. Violent le son. Ah pardon. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout paramétré ce truc là. Voilà. Eh ben ça réveille, n'est-ce pas? Je savais que t'allais t'endormir, donc... Ok, donc ben, on va se refaire des herbivores. Alors, parmi les nouveaux venus, là, est-ce que vous voulez des dinosaures? Est-ce que vous voulez qu'un des dinosaures ici présents porte votre nom? Donc j'ai un... Ankylosaurus, Dilophosaurus, Dracorex, Edmontosaurus, Struciomimus, Triceratops, Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Ceratosaurus, Corythosaurus, Taurosaurus, Chasmosaurus, Yang. Alors celui-là, j'arrive jamais à le dire. Yanguayang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 
On a celui-ci, qui a de très beaux yeux et une couleur naturelle lui aussi. On a celui-ci, qui te montre ses fesses. Voilà, la classe. Et c'est tout. Alors, bah tiens, on va te donner celui-là. Comment tu veux que je l'appelle ? Ah oui, alors faudrait voir quel âge il a aussi, attends. On va prendre le plus jeune. Parce que ça se trouve, tu vas mourir dans 2 minutes. Type carnivore, nana. Ça donne pas l'âge. Seuil de confort 80, ok. Bah, on n'a pas son âge, c'est complètement débile. Chèvre tuée 4. Et on l'appelle Dodo Dino. Bon bah, s'il meurt aujourd'hui, je t'en referai un, hein, bien sûr. Et voilà, ton Dodo Dino. Alors, si tu souhaites nous rejoindre sur Discord, je t'envoie le lien vers le Discord et du coup je te prends une petite photo que je t'enverrai sur Discord si tu nous as rejoint. Voilà. Et si tu veux pas avoir une photo de ton animal, il n'y a pas de souci. Elle restera à tout jamais dans mon dossier Steam. Dans mon dossier. Non, c'est quoi ? C'est. Bah, si, c'est Steam. Les captures. Je les retrouve jamais, donc en fait, il n'y a que quand je ferme le jeu que je sais où je retrouve les images, et sinon après, je les retrouve jamais. Hein. C'est tellement compliqué. J'arrive à les retrouver, bien sûr. Hein. Mais, voilà. Si je te la donne pas ce soir, tu l'auras jamais. comment j'envoie une expédition ? Voilà, on va cliquer ici. Je commence à fatiguer, ça doit se sentir, n'est-ce pas ? Mes pauvres, ça doit être dur de me supporter quand même. Mais vous êtes là, donc ça va. Alors par contre, ouais, Chatty met un moment à se... Chatty et même Twitch, ça met un moment à se... Twitch, je suis toujours à 49. Hein. Alors qu'on est à 51. Alors, on a des herbivores ici. Donc, Adnix, est-ce que tu veux un dinosaure particulier ou est-ce que tu veux être gérant d'une boutique ? Tu peux être le directeur du centre de la création amande, tu peux être le directeur du poste de garde, tu peux être le directeur du centre de recherche ou alors tu peux être le directeur du fast-food, du restaurant, de la boutique de jouets, de l'abri d'urgence. Tout ce que tu veux. Quoi, toi ? D'accord. Merci de l'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a notre Tyrannosim Rex. Ah non, même pas. Ah oui, c'est cette espèce d'horreur, là. C'est un dinosaure qu'on a recueilli qui était malade. Qui est très joli mais qui a l'air un petit peu robotique quand même. Et hey, j'ai vu une publication sur Facebook avec un faux dinosaure comme ça, il avait l'air plus vrai que lui, dis donc. Il est bugué. C'est nul. Vous, poubelle. Qui veut le bouffer? comment il est trop mal animé celui-là. C'est bon, tu es sur Discord. Ok, bah à la fin du live, en fait, je publierai une photo dans le Discord général. Puisque c'est que quand je ferme le jeu que ça ouvre le dossier. Donc, je t'enverrai la photo. Je vais la recadrer de manière à ce que ça vire les interfaces. Et je te mets ça. Merci et bienvenue sur le Discord. Tempête en approche. Ah. Sauf qui peut.
Ah, portugais. Pour rien. Allez, courez, j'adore voir comment ils paniquent. Oh mon dieu! Oh, vous retournez pas! Alors, on surveille, bien entendu. Faire en sorte que qu'il n'y ait pas de dommages non plus. On a les centrales météo, je crois que ça protège une bonne partie de l'île. Hein. Voilà. On a quasiment tout qui est protégé. Hein. Quasiment. J'ai pas la place d'en mettre d'autres. Oh mon dieu, de la pluie, c'est ça. C'est exactement ça. Oh mon dieu, il pleut, tous à l'abri. Veuillez regagner l'abri le plus proche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bâtiment endommagé, d'accord. Hop. Donc on va prendre une autre... Non, 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 dégage. Alors. Tac, tac. Ça m'a l'air bon. Ouais, ça m'a l'air bon. Le poste électrique a explosé. Bon, elle est un peu longue cette tempête. Voilà. Clôture endommagée. Non! Ah, commence pas. Hein. Pourquoi tu vas pas bien, toi? Ah oui, ils aiment pas les tempêtes. Voilà. Équipe de réparation au rapport. Confirmé. Stop, vous arrêtez. Voilà, il n'y a plus de tempête. Ah non! Oh là 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 là. Ok, bon, bah ils sont tous dehors, super. On va donner du boulot à Lucé. Ah, je le fais pas moi-même, il court trop vite. Oh, c'est pas vrai. Bon, Lordian, il doit être content. Ah bah, Dodo Dino, il a foutu le camp, là. Ils sont 5 à dehors. 4, non, 3, je sais plus. Il y en a un qui dort déjà, non? Il y en a un qui est retourné dans l'enclos. Ah d'accord, ok. Ils étaient 4 dehors. Alors bah du coup on libère pas les gens, hein, bien sûr. Et du coup, alors maintenant qu'ils sont tous prévus, hop, toi, ici. Toi. Ah si, il y en avait 4. Hop. Toi ici. Cible en cours d'évacuation. Voilà. On attend que les autres soient endormis. You. Je te vois. Et voilà, on t'a eu. Sale bête. Cible en cours de récupération. En cours de récupération, voilà. Et l'autre, il est où? Normalement, on en a 4. Il est où notre hélicoptère de Lucé? Par là-bas. Ah, mais dis donc, il a tracé, hein. Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Regardez-moi ça, comment il trace. Il a faim. C'est ça. Bah, dont un seul en captivité, en fait, hein, parce que les trois autres étaient dehors. Allez, arrête de courir là, on n'a pas que ça à faire.
Ah, il veut aller croquer. Voilà, quand même. Par mesure de précaution et pour votre sécurité, veuillez gagner l'abri le plus proche. Tu m'étonnes. On a redécollé. Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. Les anomalies récentes. Effectivement, lorsqu'un vélociraptor veut sortir, il sort. Il a juste à mettre deux coups de tête dans la clôture et c'est bon. D'ailleurs, je me demande si on va pas les agrandir, les renforcifier. Ajouter une tâche. Non, pas ça. C'est R. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Approvisionner la mangeoire. Voilà. Ouh, ça a l'air d'aller mieux. Les visiteurs ressortent. Alors, il est moins 10. Sachez, très cher viewer, très cher copain, que vous pouvez gagner le jeu Action Hank en tapant point d'exclamation moi dans le chat. Pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, n'hésitez pas. Le tirage au sort est lancé. Personne ne semble intéressé pour le moment. Dodo Dino 56, tu viens d'être rajouté à la liste. Voilà. Donc si personne ne participe durant les 10 prochaines minutes, tu seras le seul sur la liste et donc tu seras automatiquement le gagnant. Et le dernier jeu de la soirée qui sera à gagner, c'est Goat Simulator. Un jeu qui m'avait fait extrêmement rire chez Squeezie. Notamment. Je sais plus si c'est Squeezie ou un autre youtubeur que j'ai regardé jouer à ce jeu. Quoi qu'il arrive, c'est drôle. Voilà, et du coup, veuillez noter que normalement, si FF n'est pas en live mercredi, de 14h à 18h, je fais gagner 5 autres jeux pour vous remercier d'être 50 et pour fêter mon affiliation chez Twitch. Voilà. Avec moi, chaque occasion est une fête et à chaque fois que j'aurai l'occasion de fêter quelque chose, il y aura des jeux à gagner. C'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, petite conversation entre vélociraptors, n'est-ce pas? Voilà, n'hésitez pas, ça papote. Et je vais relancer un petit bingo pour vous faire patienter. Alors, on va tester la... On va retester comme la semaine dernière. Préparez-vous. Allez, on se prépare à spammer le chat. On va retenter un bingo 100 avec 100 pépettes à la clé. Attention, c'est parti. Alors si ça bug comme la dernière fois, normalement le premier à mettre un chiffre dans le chat va gagner. Peu importe le chiffre. Entre 0 et 100, 100 et 0 sont compris dans les numéros à essayer. Ok, donc c'était pas bugué la dernière fois. Deux fois d'affilée en fait, le premier à mettre un numéro avait gagné la dernière fois. Normalement un bingo 100, ça dure longtemps. Alors tu essayes autant que tu veux Dodo Dino. Tu peux spammer littéralement le chat. Tu vois, il y a un cooldown de 1 seconde, donc le temps que tu tapes ton chiffre et c'est bon. Tu tapes tous les numéros que tu veux jusqu'à gagner. Voilà, et même si tu es tout seul à jouer, bah, tu seras tout seul à gagner, écoute. Mais il y a 100 pépettes à la clé, et 100 pépettes, ça permet de jouer. À faire des paris, par exemple, si je fais dans ici, on voit que le Sinoceratops, il est à 53% de viabilité. Donc ça veut dire que si je fais un Sinoceratops, je vais lancer un pari. Et en fait, vous avez à peu près une chance sur deux. Donc ce sera soit c'est win et l'incubation réussit, soit c'est lose et ça perd. Et on va le faire. Allô le chat, est-ce que vous dormez? On a un bingo en cours, réveillez-vous. Je crois que tout le monde dort. C'est des gens qui font des, qui suivent des lives nocturnes et du coup tout le monde pionce. Voilà, ils vont tous se réveiller et ils vont tous partir chez FF
pour son dernier live. Je sais même pas si c'est ce soir ou si c'était hier. Oh, honte à moi. Fais dodo. Ils font dodo, ouais, mais c'est ça. Et bah, si t'arrives à te rappeler des numéros que t'as tapé, bah, tant mieux pour toi, tu vas gagner 100 pépettes et ça te permettra de pouvoir jouer. Ça te permettra aussi de pouvoir taper la commande point d'exclamation ticket. C'est un jeu de loterie en fait. Donc t'as 5% de chance de gagner. 5% de chance de gagner 10 000 pépettes. Et si tu gagnes 10 000 pépettes, tu remportes en plus toutes les mises qu'il y a eu depuis la création du bot il y a 2 mois. Voilà. Donc amuse-toi bien, tu peux taper des numéros jusqu'à la fin du live. Ou jusqu'à ce que tu gagnes. Ou ce que quelqu'un gagne. Alors. Qui est là ce soir? Qui ne dort pas à part Dodo Dino? Est-ce que ça vaut le coup de lancer un pari? Enfin, du coup, le pari, tu peux être tout seul à jouer, ça c'est pas grave. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. De toute façon, que vous soyez 1 ou 10 000 à jouer, c'est exactement la même chose. Donc, je vais lancer un pari pour le Sinoceratops. Alors, Dodo Dino, je vois là, je t'explique comment ça marche. Je vais créer un dinosaure qui s'appelle le Sinoceratops. Son génome n'a pas été modifié et pour l'instant, on a de l'ADN de manière à pouvoir avoir 53% de viabilité. C'est-à-dire qu'en fait, les chances de réussite pour que ce dinosaure soit vivant à l'issue de sa création sont de 53%. Donc à toi de juger si 53% c'est suffisant pour gagner ou pour perdre. Tu fais point d'exclamation bête, espace win ou lose. Il faut savoir que ça va te coûter 100 pépettes. Point d'exclamation bête, win ou lose. Donc win si tu veux que ça marche et lose si tu veux que ça perde. Voilà, tu as 2 minutes et vous avez 2 minutes si RP veut jouer ou si d'autres personnes qui sont dans le chat veulent participer au pari pour le Sinoceratops. Je rappelle, 53%, le prix de votre pari est de 100 pépettes, donc normalement Dodo Dino tu as assez. Je vais aller vérifier ça, sinon ça sert à rien de lancer un pari parce que tu as l'air d'être tout seul en fait. Alors Dodo, ah oui t'as 600 pépettes, ah oui sachant que c'est grâce à toi que je suis affilié, je t'ai offert 500 pépettes. Donc tu as, tu peux en fait faire bet win ou bet lose dans le chat. Et tenter de gagner 500 pépettes supplémentaires. Si tu perds, en fait, tu auras perdu 100 pépettes. Et si tu gagnes, tu gagnes 4 fois ta mise. Enfin, 5 fois ta mise, soit 500 pépettes. Et ça va être l'heure du tirage au sort. Qui va être très vite. Alors, on va attendre la fin du pari. Je bois un peu d'eau. On a encore un moche là. Ils sont moches ces dinosaures là. Regardez-moi ça, quelle horreur. Le pari est clos, personne n'a joué, donc il n'y aura pas de Sinoceratops. Voilà. Hop, il va rester là jusqu'à ce que quelqu'un se décide à jouer. Donc du coup, on annule. Annulation. Voilà. Et je vais tirer au sort. Ouh là là, quel suspense, Dodo Dino, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours présent ?
Est-ce que mon live n'a pas planté? J'ai l'impression d'être seul au monde d'un coup. Dodo Dino est toujours là. Ok, donc je fais le tirage au sort. Et c'est toi qui gagne, bien entendu. Et donc il nous reste un seul jeu à faire gagner. Il s'agit de Goat Simulator. Donc je vous remets mon petit lien partenaire. Si vous souhaitez acheter un jeu chez Instant Gaming, n'hésitez pas à passer par ce lien. Vous n'êtes pas obligé de repasser à chaque fois. En fait, à chaque fois que vous allez sur la page, normalement vous avez point d'exclamation IRG IGR égale Esland à la fin du... Si l'adresse HTTP se termine par Esland, en fait ça veut dire que le cookie contenant mon lien est toujours activé. Et du coup vous n'avez pas besoin de passer par le lien à chaque fois, ça reste actif pendant 30 jours. Alors tu remportes la clé. La clé de jeu pour le jeu Action Hank. Alors c'est un code. Ah oui, c'est encore un code. Pardon. Alors du coup, c'est assez compliqué, mais du coup c'est le dernier qui sera à donner comme ça. Tant mieux, parce que c'est chiant à faire. Alors, je sais pas si t'es toujours là. Ce serait dommage d'être parti, parce que à la base, si je te fais gagner un jeu, c'est parce que t'es là. Hop, alors, copier. Twitch. Chuchoter. Hop, donc tu cliques sur ce lien, et tu rentres... ce code. Merci de me confirmer lorsque tu auras reçu ton code. Alors, merci de me confirmer si tu as bien reçu le code que je t'ai envoyé. Ainsi que confirme lorsque tu as ton jeu. Savoir si ça a fonctionné correctement, etc., etc. Voilà, et je lance le tout dernier tirage au sort pour le jeu Goat Simulator. Vous pouvez taper à partir de maintenant point d'exclamation moi dans le chat pour essayer de gagner le jeu Goat Simulator que je vous présente sur ce lien. Voilà, c'est le dernier lien, vous cliquez dessus et si ça vous intéresse, vous tapez point d'exclamation moi dans le chat avant 11h30, heure de fin du live. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je vais essayer de m'occuper parce que tout le monde a l'air de dormir. Je ne sais pas s'il est là, c'est ça le problème. Alors, il est présent sur Twitch. Dodo, tu es là? Dinosaure mort. Qui est mort? Nous avons perdu un Struciominus. Hop, du coup, on va continuer à faire des expéditions. Alors, notre copain Dodo s'est dématérialisé. Plus personne n'est là. Je suis seul au monde. YouTube, viens me sauver. Alors, par contre, du coup, j'aurais pas dû envoyer la clé s'il est pas là. C'est pas très... J'aurais pu la donner à quelqu'un d'autre. On verra bien, s'il l'a pas utilisé ce soir, elle finira sur le Discord de Nemelia demain.
Alors, R. Équipe, ajouter une tâche. Demande de ravitaillement bien reçue. Non mais il n'y a plus personne en fait, là ils sont tous... L'ordiani dort et tout le monde est parti. Ah, FF, tu es là. D'accord, et tu souhaites pas gagner les jeux? Il n'y a aucun jeu qui t'intéresse? Enfin, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun des deux derniers jeux, Action Hank et Goat Simulator, qui t'intéresse? Action Hank, j'ai envoyé la clé à ce très cher dodo, mais il est plus là. Donc en fait, j'irai vérifier demain sur un stand gaming si son code a été activé. Si c'est pas le cas, ben je le filerai à quelqu'un qui est intéressé. Hein. Et du coup, bah, quand il s'en rendra compte, ce sera trop tard. Ok, bah, y a pas d'autres mangeoires à réapprovisionner. T'es sur ta 3DS? Ah oui, au fait, FF, pendant que t'es là, est-ce que tu fais un live le mercredi 5 septembre? Ça, c'est clair que ça pourrait faire l'objet d'un live marrant. Eh ben écoute, tu mets point d'exclamation moi dans le chat et puis tu seras le seul sur la liste pour l'instant à gagner. Parce que du coup, ça y est, je suis passé sur la barre des 50 follow. Et du coup, je pensais faire un live spécial affiliation où je vais faire gagner 5 autres jeux. Dont des jeux en rapport avec Jurassic World. Enfin non, surtout un. Et je voulais faire ça le mercredi 5 de 14h à 18h. Donc du coup, je me dis, si tu live, il faudra que je change d'heure, mais je voulais faire un long live parce que justement, on fera un parc au complet sur l'île Bac à Sable. Voilà, donc si t'es intéressé par Goat Simulator, point d'exclamation moi dans le chat, et puis de toute façon, si personne participe, je te l'enverrai, c'est gratuit. Bien reçu. Ce sera un cadeau pour être resté jusqu'au bout. De toute façon, les jeux qui ne seront pas activés finiront chez Nemelia dans la rubrique clé à donner. Vu que je l'ai acheté pour le faire gagner, si personne ne l'a gagné, il sera offert quand même. ...23h10... Alors, mode RP Gamer, Unmode RP Gamer, mode RP Gamer... Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un côté modérateur, un côté pas modérateur. Ah, c'est dès que tu... D'accord, ok. D'accord, mais le but... le but, ce serait que tu puisses participer également, s'il y a des jeux qui t'intéressent mercredi, ou alors faudrait que je trouve un autre horaire. Est-ce que ça marche, les lives, le matin? Bah non, vous dormez, vous, le matin, justement. Ou alors faudrait que... Je sais pas si Nem sera rentré de vacances. Si Nem fait pas de live, à la limite, je le fais de 18h à... Je le fais de 18h à... À 22h, ça me fera manger tard, quoi. Ou alors je fais comme aujourd'hui, je fais un live de 2h et je fais gagner les clés toutes les demi-heures. Et je le fais à la même heure, je le fais mercredi 5 de 21h à 23h30. Je pense qu'on va faire comme ça. Si tu live, je vais pas faire un live en même temps que toi, c'est pas... Justement, ça me permettra, moi, vu que je suis en repos, je viendrai sur ton live.
Et même si tu fais du minage, si t'es avec Lurex et Nassim, on va se marrer. Donc, je veux pas rater ça, tu vois. Bah voilà, je sais pas quoi faire en fait. Donc, j'avais une mission à faire, mais vu que je sais pas comment l'obtenir cette mission, ça me saoule. Je peux pas avoir de nouveaux contrats. La note du parc dinosaure, ouais. Elle rentre le 3. Ouais, donc je vais faire. Je le ferai de 21h à 23h30 alors. Ouais, mais elle aura sûrement pas fini son live à 21h si elle vient. Vu qu'elle va reprendre tout juste. Je sais pas. Et bah toi c'est 14h 18h, c'est ça? Moi à la limite je fais midi 14h. On va faire ça, tiens, je vais faire midi 14h, je vais le noter parce que du coup je vais pas m'en rappeler. Voilà. Et bah du coup tu peux passer le message aux autres le mercredi 5 septembre 2018 live spécial affiliation Steamland de midi à 14h. Et du coup ça finira en raid sur ta chaîne. Il y aura pas de surprise là-dessus. Hein. Si toi tu commences à 14h, j'arrêterai à ce moment-là et on partira chez toi. Maladie contractée, enfin du travail. Elle est où la porte ? Je sais jamais où elle est la porte de cet enclos. Ah, c'est par là. Il y a le temps de crever, hein, je t'assure. J'espère que je suis dans le bon enclos. À mon avis, c'est mort. Aïe! J'espère que t'as eu mal aussi. Oh putain, il est là-bas. Oh, en pleine tête. Oh, je suis trop fort. Ah, on sent que le médicament fait effet. Cool, c'est bon, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Voilà, bah on s'ennuie de nouveau. Ça y est, voilà. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là en fait. Je vois pas comment je vais faire ma mission et je vais m'arrêter un peu plus tôt de toute manière. Vu que t'es tout seul, t'as gagné. Regarde, hop, clac clac, tirage.
D'accord, ok. Bah, en tout cas, moi, de toute façon, je vais faire... Je vais faire du... C'est le live de trucs. Donc, moi, je vais faire... c'est le live de Jurassic World. Donc, ce sera le dernier Jurassic World. On fera ça sur, sur l'île Bac à Sable, là, celle-là. Voilà. Et puis voilà quoi. Et après ce sera la fin, on arrêtera de jouer à Jurassic. Donc du coup à partir de dimanche on passe sur Seasons After Fall. Voilà. Oui je suis là mais je reçois pas les messages. D'accord. Ok. Donc. Clac. Copier. Alors, attends, lui, il est sur Discord. Je vais lui envoyer son jeu vite fait. Discord, où es-tu? Hop. Hop. Chez moi, qui t'est arrivé? J'espère que c'est lui. Ça rame. Bah, attends, on va fermer le jeu. Hop. Alors, Dodo Dino, si tu m'entends, tu me réponds sur Discord, je vais t'envoyer ta clé sur Discord. Voilà. Alors, ici, on fait ça, et du coup, bah, t'inquiète, FF, je t'envoie ta clé tout de suite. Je fais juste fermer le jeu, parce que ça fait planter l'ordi. Donc, on va repasser sur cette... là, voilà, comme ceci. Sauvegarder. On va quand même sauvegarder. Hop. Et quitter la partie. Ouais. Voilà. Ok, donc là... Envoyer un message. Voilà. Donc alors, comment c'était ça? Forcément, c'est le truc le plus chiant à faire. Il faut que je le refasse une deuxième fois. Tac. Tac. Hop, et le code, c'était ça. Copier. Coller. Voilà. Ok, et du coup, FF, tu es toujours là. Toi, je vais te l'envoyer sur... Alors toi c'est direct une clé Steam que je t'envoie. D'accord. Donc c'est la clé pour Code Simulator. Et elle est ici. Tac tac. Donc est-ce que tu sais comment on active une clé sur Steam ou est-ce que tu veux que je t'envoie le lien qui explique comment faire? Tu sais comment ça marche. Ok, donc je t'envoie ça, tu me dis si tu l'as bien reçu, et puis tu me tiendras au courant de l'activation, bien entendu, pour me dire si tout a fonctionné comme il faut, si tu possèdes bien ton jeu. Et voilà, et nous, du coup, on va s'arrêter là, donc reste bien 2 minutes 30 de plus pour pouvoir obtenir des pépettes supplémentaires, bien sûr. Sur ce, jeudi à dimanche sur le jeu Seasons After Fall. Décidément, j'arrive pas jamais à me rappeler. Allez, salut!